Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crazy the King 3. On joue, bien sûr, bien évidemment, la grande, la puissante Normandie. Et elle est pas magnifique la Normandie là? Elle est pas magnifique? Regardez-moi ça. Elle va du... Elle va de Bruges à Bellac, Poitiers-Bellac. Même un petit peu comté de Lille. Pardon? Oui, mais ça c'est la chasse, vous avez l'habitude. Comté de Lille, tiens donc. Ça va jusqu'à Colmar pour faire ça. Une revendication sur le Earl d'Urdam. Mais c'est nul. On est à foutre de la Suède. Enfin. Donnez-moi des revendications dans le coin, pas à l'opposé du monde, s'il vous plaît. Un peu de respect, enfin. Allons-y, allons chasser. Quand on avait le duché de Poitiers qu'on était en train de faire. Non, on avait... si, on avait. Ouais, si, c'est ça. Le duché de Poitiers qui était en train de se faire tranquillou. On n'a pas créé le duché. Médiation. Un foot. À goûter à la ceinture. Pardon? Attends, faut que je lise là parce que c'est chelou quand même. Alors que nous nous promenions en groupe, j'entends le bourgmestre Benoît derrière moi. Regardez-moi ce. Regardez ce moins que rien, Pato. Siffle-t-il. Du haut d'un ton. Coursier de la chasse, de chasse. Et j'ai du mal à lire là ce matin. Oula. Réveille-toi. Il montre du doigt mon fils, au comte Damien, qui semble être atteint par l'injure. À goûter à la ceinture. Ah! Ok! Oui, c'est pas goûter avec la bouche, oui, non, c'est les anciennes punitions où tu te prenais des coups de savate, là. Savate, ceinture, enfin des coups de cuir. Parce que ça picote. Voilà. Pour ceux qui en ont déjà pris, vous le savez, ça picote. Je parle aux plus anciens. Parce que maintenant, tu fais ça. Comme un, il porte plainte contre toi. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose. Pas forcément une bonne. Bref. Hop, ce n'est pas une façon de se comporter. Pour la peine, je ne te donnerai pas de coup de ceinture. Le comte Damien tentera de surprendre le cerf. Bon, Damien, je compte sur toi. Ah. Je peux même pas déclarer d'hier, je peux rien faire, c'est triste. Aucune revendication, c'est vraiment un triste. Nous avons essayé de faire le moins de bruit possible, cerf s'enfuit à notre approche. Il fait trop sombre pour continuer, nous devons admettre notre défaite face au cerf. Voilà, je vous félicite pas les gars. Ah non. Foutu d'aller prendre un cerf. Ah là 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 là. C'est ça, j'ai pas de revendication, c'est fou ça. Mon maître Astion a annoncé une grave nouvelle, bien que nous ne sachions pas encore qui. Quelqu'un planifie un assassinat contre mon chancelier Bohemond. Nous devons arrêter le coupable. Sinon. C'est où? C'est dans mes courtisans, je crois. Une revendication sur un comté. Alors, voyons voir. Je suis obligé de.
Non, pas intéressant. La vache. Barcelone, Minorque. Sur le duché de Barcelone. Waouh. Intéressant. Ma femme a sur... Oh. Attends, mais comment... Enfin, je peux pas avoir ces revendications à ma femme. C'est un peu couillon, ça, non? Ça, c'est mon gamin. Il y avait elle. Non, c'était elle. Non, pas de revendication. Bah, c'était Kinox. Pardon, Kixol. Kishol, Kizol. Bon, je sais pas comment le... On a moyen d'aller prendre le duché de Barcelone, non, on va pas dire non. On va l'inviter à ma cour. On va la recruter à la cour, elle, Ramilde. Fois qu'elle est dans ma cour, qu'est-ce que je fais? Mon courtisan. Elle est où? Faut que je lui donne une terre avant, c'est ça? Ah, c'est terrible. Si c'est ça, c'est terrible. Ouais. Pas l'impression que c'est ça. Hein. Antiquaire. Ramilde. C'est elle, hein? Bon, terrible. Grave. Tant qu'elle abîme rien, ça me va. Ok, bon, maintenant je l'ai recrutée. Ouais, mais... Ah, faut que je la marie ou un truc à la con comme ça, non? Terrible. Oh purée! Ah bah le Wessex, il a pas réussi à faire l'Angleterre. Là je peux pas. Parce qu'on est encore en trêve. Modifier le contrat vassalique. Est-ce que j'ai un hameçon? Non, dommage. Pas découvert de secret à la compte. Dommage. Il y a la Corse qui essaie de faire une petite sécession. Ça, c'est cool. Bon, enfin, comme d'hab, quoi. Est où votre drapeau, les gars, d'ailleurs? Ouais, c'est le drapeau du comté de Bastia. Ok, c'est comme si c'était fait. Voici ton argent, mon évêque. Puis après, bah, je vais aller sur Clermont. Hein. Hop là. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Tu es allié? On compte un autre Clermont. Ah oui, mais là, du coup, si je déclare la guerre, ça me ralentit. Je vais aller sur ici. Hop, on va changer. Revendication, on appuie le titre. Hop là. Ouf, j'ai pas pris. J'ai pas levé les unités dans le meilleur des endroits, moi.
Il va pouvoir aller assiéger une ville avant, c'est dommage. Je modifierai pour la prochaine fois. Hop, à Rouen. Ah, faut bien prendre des comtés, hein. Quel âge qu'il a, lui? 36 ans, eh, pas mal, hein, déjà. 35 ans, je pense qu'elle va plus me faire de gosse. On a perdu un, hélas. On peut déclarer la guerre au roi Lothaire pour le comté de Hanau. Ah, intéressant. Après, ça reste quand même un roi. Hein. Et il est plutôt badass. 1600 troupes? Oh, que dalle, j'ai rien dit. Alors, par contre, hop, un petit instant, je n'ai pas de son sur le jeu. Je n'ai pas de son, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Hop, ouais, désolé si, pour le début, pour les 10 premières minutes. Hostile. Oh, ils sont mignons. Gougou. On va envoyer celle-là parce que l'autre, ils ont des engins de siège. On va sonner le bourgmestre. Hugues. Non. Huge. Hugues. Comment ça se prononçait à l'époque? Le comté de en Asturie. Ouais, c'est pas intéressant. Bon, j'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent. Ce que je vais faire, c'est que je vais construire des temples. Des monastères là où. Par exemple là sur l'évêché, un monastère. Ici, je peux pas faire de cité encore. Alors. Je vais quand même aller défendre mes territoires, faut pas déconner. Voilà, ça me donne plus d'impôts, plus d'augmentation du contrôle, etc. C'est pour ça que je fais tout ça. Un peu une petite guilde. Je peux pas. Hop, on va améliorer les guildes ici. Qu'est-ce que. Ah, Jade! Allez, viens là, Jade. Je vais t'instruire. Hop, cité. Hop. Faire de la guilde. Cité de Cherbourg, je vais faire un port plutôt par contre là. Un mortrait, un monastère, un argentan, terrain de chasse. On va finir là-dessus. Hein. Bon. Lui, il a repris la mer, très bien, ça me va. Il fait sa vie, quoi. Arène, petite guilde. Saint-Malo, ah, Saint-Malo, il n'y aura pas le port, tiens. Pas avant le moment donné. Là, on va arrêter d'intercepter. Style. Tiens non. Ah, j'ai des compagnies mercenaires qui se dissout. Mais, hop, allez, aider. On a regagné, et on aimerait bientôt finir notre siège. Voyons voir. Hop. Voilà, mon maréchal, il va
Augmenter un peu le contrôle des comtés. Ici on a un temple, on va y faire un monastère. Voilà. On a pas mal dépensé d'argent. On a réussi le siège d'Amiens. Et pas d'Amiens. Hop, voilà. Trop de duchés. Oui, je vais l'accorder à mon gamin. D'accord, il a pas de... Il a rien, il est sans terre. Hop, accordé. Alors qu'est-ce que ça me dit? Oula. Prisonniers pourront être rançonnés. Hop. Voilà. On va disperser. Hop, les rançons ont été acceptées. Trop nombre de duchés. Notre duché contraint trop de terre. Vous devriez créer ou usurper un royaume. Bah, c'est pas que je veux pas, mais... Il me manque encore quelques-uns. Tu m'étonnes en même temps, sacré duché. Hein. Moi, je peux demander le duché de Levallois. Je vais demander le duché de Valois. Par contre, avant... Je vais juste attendre que mes troupes rentrent tranquillement, gentiment chez moi. Et recruter du mercenaire, parce que j'en avoir besoin. Donc la Confédération Teutonique. L'escorte de Hengist. Et la compagnie du loup de Barbançon. Voilà, ce qui fait qu'on aura ce qu'il faut pour aller taper sur notre roi. Ça va devenir très intéressant, voilà. Donc là, comme vous voyez, au Royaume de France, c'est plus grand chose. Qu'est-ce que c'est? Mes articulations me font terriblement souffrir ces derniers temps. Des ecchymoses ou des inflammations? En tout cas, une accumulation de fluide autour de des parties mobiles de mes membres qui me cause une gêne et une douleur non négligeables. Je peux espérer que cela disparaisse avec le temps. Ah, il commence à vieillir, hein, ça y est. Hein. Il commence à vieillir, le pauvre. Waouh, 10516. Oui, on est bien. Alors, autre. Non, on va faire ça dès que là, alors. Et Haute-Bourgogne et Bordeaux. Ça va. J'enverrai là-bas une unité de mercenaires. Je vais revendiquer le duché de Levallois, hein. Je pense que c'est le mieux. Oui. Bien évidemment, on enlève toutes nos troupes. Vous demandez pardon, c'est ça. Hop, lui on va l'envoyer en prévision au comté de Bordeaux. Ça, je vais perdre. Qui c'est qui passe par là? Ah! Ouais, bah attends. C'est pas par là, toi, couillon que tu es. Hop, allez, va. Allez à Guisor. Guisor. Mais les mecs, pourquoi tu passes par. Oh, il va vouloir me piller, donc on va l'intercepter. Attends, elle est hostile ou pas celle-là?
m'envoyer un là. De toute façon j'aurai l'avantage. Ah ils sont 5000, oui c'est ça. Ils vont sur le Mans, c'est pas un problème, moi je me dirigerai vers Paris. Ce sera une victoire je pense plutôt simple en plus. Siège, voilà ça fait un siège. Contrôle de comté augmente. En plus à Rennes on a bientôt terminé aussi, ça notre... Voilà, attendez, baronnie de Paris, voilà. Là il a voulu faire joujou, il va se faire fumer. Et il se dit, ah oui mais attends si je viens on est en supériorité numérique. Eh ben non. Bonjour à toi. Merci d'être passé. Une belle victoire aujourd'hui. Oh. Oh ah, ouais, il a tout perdu. Oh ça lui a piqué le fiac là, pardon, excusez-moi les termes, mais faut, dire, non, faut les dire les termes, faut les dire. Est-ce qu'il a rejoint lui, Bordeaux? Alors est-ce qu'il a d'autres terres quelque part? Non même pas. Ah oui la Bourgogne, on va y envoyer quelqu'un en Bourgogne, allez on va envoyer les mercenaires. Ah ça se regroupe. Voilà. On va les attaquer. Victoire très probable. Ah oui, ça va, c'est clair. Là. Fabrice a baissé Norbert. Blessé Norbert. Hop, je suis érudit, étude anatomique. Ça l'a calmé. Ok. Mais je vais les suivre. Je vais vérifier que je me fasse pas attaquer autre part. Non. Voilà, pendant que le siège se fait, je vais poursuivre mes ennemis. Si ça se trouve, en plus, il y a un petit roi là-dedans. Ah ouais, tu t'arrêtes pour faire le siège de Boulogne, toi. Donc... Alors, on modifie des contrats de vassaux. Fiche. T'attends une place au conseil, je m'en fous. Ça, j'en ai rien à fiche. Ok. Chevalier, ok, j'ai capturé un chevalier, ça c'est cool. On va retourner à Baronnie de Paris. Là, j'ai beaucoup, beaucoup de victoires. Ah, bah en plus, il a relevé des troupes. Ah, décidément, il en a une chier, lui, hein, par contre. Hein. Attends, je vais passer par là. Il va vouloir aller me piller. Allez, me. Elle m'embêter comme d'hab je suppose. Hop. Attends, je vais à la baronnie de Besançon. Ouais, j'ai bien fait de passer par là. Il va sur Alençon. Je vais le rattraper. Hein. Arrête de fuir. Voilà, je le rattrape. Non. Si. Ok.
Vous pouvez demander de l'or à votre chef de foi, bien évidemment, que je le fais. En ce temps-là, là, c'est bientôt terminé. Merci pour ton or. Et là-bas, on les a exterminés. Allez, on va retourner défendre. On a refait des prisonniers. Ouh. Comment ça se fait? C'est même pas un fils, ok. C'est même pas un enfant du roi. Il vaut super cher, par contre. Enfin, la rançon est très chère. Je dis il vaut, c'est la rançon, bien évidemment. Là, ça avance. Elle est là, c'est ça? Pas du tout. Ok, on va intercepter. Là, c'est tout bientôt terminé. Et on va choper quelques autres baronnies là. Je vais laisser les troupes sur place. Nouvelle victoire, hein. Ouais, ça fait mal. J'ai un nombre de prisonniers absolument phénoménal. J'aime bien. Hop, voilà. Ici, installer les assiégeants. Là-bas, on va installer les assiégeants également. Oh bah non, on va pas les installer parce qu'on n'a pas assez de troupes. Là-bas, ça se fait tranquillement. Alors. Ça y est, à Rennes. La culture prédominante est le normand. On va faire pareil à Penthièvre. On fera pareil petit à petit pour toute la Normandie. Hein. Hop là. Il y a notre baronnie là-bas. Étampes. Le roi, gardien, bon ouais. J'en ai rien à foutre. Il veut venir en échange de... Oula, 2000 là d'un coup là. On va protéger nos assiégeants. Prisonnier Renault, péri dans les cachots. On va rester là. On l'appellera. Il s'appellera en renfort. Comment ça, j'ai un allié? Ah non, c'est Navarre qui vient! Oh les salauds! Petit culot! Qu'est-ce que tu crois faire toi? Tu crois que je te vois pas là? Quoi que tu fasses, je serai en supériorité numérique. On a pris Besançon. On va retourner là. J'arrive à lever pas mal de troupes. Eux, ils vont pas être de trop.
Et là, pour les accueillir au cas où. Et là, avec les deux troupes réunies, je vais juste vérifier. Ouais, personne encore en sud, ça me va. Normalement, avec les deux troupes réunies, je devrais réussir à le vaincre. Tiens, non. Ah, il s'est rendu compte de sa connerie, il est en mode ah, non, 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 pas mon chemin, pas mon chemin. Non, en plus, c'est moi qui commande. Oh, regarde ça. Contrôle maintenant Valois. Elle est en travaux, c'est pour ça que je l'ai pas reconnu. Notre gloire est maintenant bien connue. Oh. Je l'ai fait mal. Beaucoup de prisonniers, mais toujours pas la paix. On va aller prendre cette baronnie. Ça c'est quoi? Ça c'est les hautes terres. C'est pas intéressant l'autre terre, est-ce que je prendrais pas sens? Non, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse tomber la baronnie des temps. Allez. Faudrait que je prenne la baronnie de Bré aussi. Allez. Si jamais je vois que Navarre amène des troupes, je recruterai encore des mercenaires, j'ai de l'argent. Peu de chevaliers, bah non. Hop, je retiens la j'obtiens, je veux dire, la revendication. Alors, sur le comté de Reims, ça a l'air pas mal. Hop là. J'ai Beaumont. La baronnie de Marle. Et normalement, ce sera bon. Trop de duchés, je sais. J'irai aussi. Hop. À prendre Brie. Et je vais aller prendre Sens. Bon, là c'est bon. Bah non, 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 tout ça c'est pas chez moi. La baronnie de Château Thierry. Bon, on a 95% là de d'avancée. Hugo de Orléans. Ah oui, c'est bien ça. Je peux reprendre Orléans après. Ah c'est vrai que j'ai des territoires là-bas. Attends, quoi? Oui, si, c'est le mien. On l'a vu. Et là, je pourrais normalement usurper son titre. Un Jarl. Intéressant. Le nombre de prisonniers là. Comte Pépin. Ok, c'est qu'un simple. C'est même pas un héritier ou quoi que ce soit. Bah non, sinon ça aurait été prince ou un truc comme ça, je suis bête. Hop, au sud. Ça se passe bien. Ça se passe très bien, même tout ça. Allez, les sièges sont bientôt terminés. Je vous laisserai juste après la résolution du siège. Je suis pas méchant quand même. Parce que là, je crois que si je prends Clermont, ça sera bon. Clermont? Oui, Clermont. Par Clermont-Ferrand. Ça y est, on a la revendication sur le duché de Valois en entier. Vous obtenez duché de Valois, comté d'Île-de-France, comté de Brie, comté de Montmont, comté de Valois. J'appuie les demandes.
Salutations, mon charmant vassal, soyez béni, vous et votre maison. Vous êtes un bien meilleur adversaire que je ne pensais. Afin de mettre fin à cette fusion de fin, je vais accorder, je vais accéder à vos demandes. Vous pouvez réclamer le titre de votre seigneur liege. J'ai également une chier de prisonnier, mais vous savez quoi, on va avoir ça sur l'épisode prochain. Sur ce, bah, je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. Nous verrons le dénouement, bah, qu'est-ce que nous apportera, qu'est-ce que nous a apporté cette guerre au prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tiob.